Inspecteur, inspecteur. On m'a volé mon briquet. Oui, mon petit. On m'a volé mon briquet. Non, c'est moi qui ai le briquet. Ouais, Macman, je crois qu'on va recevoir un SMS là, tu passes, rapide, rapidement. Ok, bah dépêche-toi, parce que, ouais, tout de suite. Macman ? Anne, ça va? Tu m'as appelé. Bah viens, viens. J'arrive. Et donc, en fait, le type, il a fait des pièces sur toi. Le mec, il a fait une première fois, je ne sais pas qui c'est, et il m'a dit, je vais pas recevoir un message. Et là, je me demande, parce que j'ai pu donner un ami à moi. Le type, tu vois, la dernière fois quand il m'a fait le coup, il était à l'hôpital après. Il a eu une super grave maladie, il est mort 3 jours après. Je déteste ça, moi, quand je reçois un SMS à chaque fois, ça me fait le coup, blablabla. Et à la fin, moi, je sais pas où j'en suis. J'ai appelé ma mère, elle m'a dit ouais, rappelle dimanche prochain, on est en famille, il y a le poulet qui est prêt, à quelle heure t'arrives, tu passes à quelle heure, apporte des radis. T'as vu le papillon là-bas? Ouais, il est super beau, incroyable, j'ai jamais vu ça. Et donc, l'autre jour, moi j'achète, tu sais combien j'ai acheté ça? 45€. Moi je trouve que c'est super cher. Sur eBay, d'occasion, regardez, il est tout cassé, ah. C'est n'importe quoi. Et j'espère vraiment que je vais le recevoir ce SMS parce que moi, l'autre jour, je suis allée au marché, je voulais acheter des légumes. Je me suis dit, j'y vais, c'est dimanche, ok, j'achète des poireaux. Et je rentre chez moi, plus mes poireaux. Qu'est-ce que j'ai fait de mes poireaux? Je retourne au marché, en fait, je les avais oubliés, c'est tout con, quoi, ça m'arrive. C'est débile, hein. C'est trop drôle. Ah, j'adore la voiture jaune là-bas. On y va ? Je crois qu'on a un SMS. Regarde. Il m'arrive quelque chose d'extraordinaire.